de Queenstown. Il y a des gens partout, c'est un truc de malade. J'ai jamais cru que ce serait aussi vivant à Queenstown. On n'a pas eu les meilleures conditions météo qui soient ce soir. Il pleut au taquet. En tout cas, c'est super vivant. Vraiment bonne expérience. Nous sommes le 1er janvier 2017, il est 9h30 du mat, on est toujours à Moke Lake. Ce matin on va prendre la route pour aller jusqu'à Nugget's Point. Je crois qu'il a eu peur. On est en train de reprendre la route vers Nugget's Point. Il y a à peu près 3 heures de route. On vient d'arriver dans la ville d'Owaka qui se trouve tout près de l'endroit où on va dormir ce soir. Voilà où je vais aller faire voler le drone et prendre des super photos. Et nous voilà arrivés sur le spot de Purakaunui avec la vue sur la plage juste derrière, les falaises de l'autre côté et Nugget's Point qui se trouve tout au bout de ces falaises ici. Il n'y a pas de douche, donc ça va être douche à la route. Comme j'ai beaucoup de monde sur place, il y a pas mal de campervans, il y a pas mal de caravanes. Il y a des gars qui ont même aménagé des camions comme lui en face. C'est super calme. On va peut-être pouvoir même faire un feu. Trop cool. Préparation de notre petit feu de camp. On va être bien ce soir. Avec le petit feu qui va bien. Bienvenue dans l'émission Camp Life. Construis une douche. Prépare un feu. Monte ta tente. This is Camp Life. On est bien là. Petit barbecue ce soir. Brochette végétarienne par contre, parce que les animaux sont mes amis et moi je mange pas mes amis. On n'est pas bien là sans déconner. Toi, moi, la montagne, la plage, le feu. Ouais, on est bien. Et ce soir j'espérais faire encore des photos d'étoiles, mais malheureusement je crois que ça va pas avoir lieu. Vu l'état du ciel, la voie lactée était censée être là-bas. Mais je crois que c'est raté. Bon, le temps est toujours pas avec nous. C'est vraiment raté pour les photos d'astro ce soir. En tout cas, on a un bon repas. Et Katrina, on mange bien là, hein? En fait, on voit pas vraiment là, mais la météo est en train de partir grave en couille. Tu peux voir la pluie là-bas sur les falaises. Katrina, ça a pas l'air de la déranger. Après les wraps au four, les wraps au barbecue, ben, c'est plutôt pas mal. Bon, rien ne s'est passé comme prévu. Je devais faire des photos d'astro hier, c'est tombé à l'eau. Je devais aller à 5h du mat pour le lever du soleil sur Nugget's Point. Mais ça n'a pas eu lieu non plus parce que la météo était dégueulasse. Donc j'ai fait le choix de dormir un petit peu plus. On va quand même aller à Nugget's Point et puis on va voir ce qu'on peut faire. J'espère que ça va se dégager un tout petit peu parce que là c'est pas gagné. Voilà les restes de notre feu d'hier. Avec notre douche artisanale. Je me suis un peu manqué en fait sur la hauteur. Normalement, ça devrait être un peu plus haut. Se laver dans ces conditions, c'est quand même pas terrible. Ouais. C'est un peu compliqué là. On est bien arrivé aux chutes d'eau de Purakaunui. Une petite marche à faire de 10 minutes, quelque chose comme ça. Je vais pouvoir faire mes petites longues expos des cascades que j'avais prévues. Avec cette météo, c'est vraiment pas gagné quoi. Ce qui est vraiment étonnant en Nouvelle-Zélande, c'est la richesse du pays. Tu peux passer d'un endroit où il y a la plage à une jungle
Ce pays est totalement surprenant du point de vue de sa diversité au niveau de la faune et la flore. Tiens, il y a un point de vue là.